grâce à la participation de plusieurs observateurs bénévoles. Entre autres, on peut suivre la population depuis plusieurs années. On a mis en place un suivi de la population. Et puis, un peu partout à travers la province, à la fin mai, début juin, il y a 50, 60 personnes qui nous aident à faire des décomptes de Martinet. Donc, à des soirs précis, tout le monde sort faire des décomptes, ce qui nous permet, entre autres, d'avoir une idée de la taille minimale de la population au Québec. L'année passée, en 2013, le même soir, je pense que c'était le 22 mai 2013, il y a eu 4 700 Martinets qui ont été comptés par l'ensemble des bénévoles qui nous aident. Donc, ça nous donne une bonne idée de la taille minimale de la population au Québec, qui serait au moins de 4 700 oiseaux. Est-ce que on constate que le déclin continue ou ça se stabilise ou ça remonte? Depuis quelques années, le déclin est moins important. Mais il n'y a pas de hausse en vue, mais le déclin semble atténué. Le gros du déclin a eu lieu beaucoup là, dans les fins des années 60, 70, 80. Depuis les années 90, le déclin est plus faible. Il semble pointer vers le DDT aussi un peu, non? Oui, ça a été peut-être l'époque là où les changements dans l'environnement étaient les plus marqués.